Je pense que c'est le meilleur gâteau que j'ai jamais fait. Il reste une dernière cerise. Une sucette. Et cette beauté-là, regardez ça. Oh, je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est mon gâteau. Je dois le manger, moi. Restez ici. Vous allez avoir. Vous pensez que parce que vous cachez dans les boîtes, je vous ne trouverai pas? Vous avez tort. Je peux vous trouver en 2 secondes. En plus, j'ai toujours voulu vous faire quelque chose. Bon, commençons. Oh, c'est moi qui devrais frapper. Ah, j'ai compris. Avec quoi je suis censée me battre? Oui, c'est ça, une sucette. Ça va être le coup de poing le plus savoureux que vous avez jamais reçu. Ah ouais, j'entends le son. Oh, je voulais pas recevoir ça. Oh, je crois que j'ai choisi la mauvaise boîte. Mais ce n'est pas encore fini. Je vais encore. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Voyons voir. Guitare? C'est bizarre ça. Mais c'est une bonne chose que je le sache jouer. Je vais laisser ces pauvres gars entendre de la vraie musique avant que je ne les frappe. Je pense que je sais exactement où se trouve quelqu'un. Je vais... En fait, non. Je vais pas ruiner un instrument pour les hooligans au hasard. Oh, j'ai un moyen bien plus intéressant. Le son le plus fort fera voler la boîte. C'est bien. Faisons-le. Mon père m'a appris à jouer du rock. C'est ça, je deviens sourde. Regardez mes oreilles. Ça ressemble à n'importe quoi. Au revoir, Daisy. Je ne te reverrai plus jamais. Et la guitare non plus. Hein. J'espère que la prochaine façon de regarder sera tout aussi amusante. Wow! Un fromage qui pue. Quelqu'un va devoir se boucher le nez. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait avoir s'asseoir dans la boîte. Oh, je suis pas jalouse, moi. Oh, c'est quoi cette odeur? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle boîte choisir? Je pense que ça. Oh, c'est quoi, une bombe puante? Je vais être malade! Je ne pensais pas que le fromage était si efficace. Quelle chance pour moi! Waouh! C'était vraiment une bombe de fromage. Je saurais que la puanteur est aussi forte. Et maintenant, il est éliminé aussi. Oui, le fromage puant est difficile à battre. Je me demande ce qui va se passer cette fois-ci. Je vais utiliser de la glace pour les faire frissonner. C'est si froid que j'aurai besoin d'une veste. Qui sera l'heureux cette fois-ci? J'aimerais que ce ne soit pas moi, pas moi, pas moi! Quelque chose me dit qu'il y a quelqu'un dans la boîte bleue. Allons voir ça. Oh non! J'ai cru que j'allais devoir me transformer en glace. Alors c'est où? Pourquoi personne n'apparaît-il? Je suppose que je n'ai pas de chance cette fois-ci. Oh oui! Allez, on se bouge. Quel est le meilleur moyen de se débarrasser des brutes cette fois-ci? Waouh! Chaton! Donc non seulement j'aurai l'occasion de me venger du gâteau, mais j'aurai une nouvelle amie! Je te nomme boule de neige! Alors Minou, quelle voix tu veux? Qu'est-ce que t'as pensé de celle-là? Ou celle-ci? Ok, c'est vrai, j'aime bien l'orange aussi! Wow! Boule de neige! T'es un maître, toi!
Je ne pensais pas que tu serais plus qu'une amie. T'es une aide de premier ordre. J'abandonne. Mais débarrassez-moi d'un chat. Bien joué, boule de neige. Maintenant, le choisir la prochaine façon d'attraper les brutes. Bien, bien, Baby, John et Jess sont fichus. Qu'est-ce qui reste? J'ai oublié, moi. C'est vrai, il reste trois personnes. Et ces trois personnes sont en train de s'enfuir. Et non, n'essayez même pas. Je vais vous trouver et me venger. Il faut qu'on se cache tout de suite. Mon mari viendra et nous punira tous. Pourquoi on est là? Dépêchons-nous. Peut-être que ces ballons peuvent nous aider à nous cacher. Si nous avions différentes couleurs, on peut se fondre dans le décor. Yeah! J'ai besoin d'aller quelque part aussi. Je pense que si je me fonds dans le mur lumineux, Marie ne me trouvera pas. Le plus important est de ne pas mélanger les couleurs. Vous êtes si beau! Tout le monde se cache. Je suis la seule qui n'arrive pas à trouver un endroit. On me verra partout. Et on me voit pas? Oh non, la piscine! Et le mur aussi, hein, quoi faire? Peut-être cette fleur m'aidera? Oh non! Vas-y, réfléchis, réfléchis! Oh, j'ai une idée! Mais c'est un secret! Vous êtes allé où? Comment vous avez réussi à vous cacher dans une si petite pièce? Qu'est-ce qui va m'aider cette fois-ci? Il est temps de le découvrir! Doritos! Et pas n'importe quel Doritos! C'est vraiment épicé! Eh, quelqu'un veut des Doritos? Non? Alors je vais devoir le donner à une fleur qui a sûrement quelqu'un se cache derrière! Oh, on peut se touffer! Ah oui, j'entends le son! Je pense qu'il y a quelqu'un! Vas-y! Ils sont tellement dangereuses! Ah, pied! Non, j'arrive pas à me retenir! Ah ah! Et bien content! Je t'ai trouvé! Voyons voir quel petit truc je peux utiliser pour trouver Quentin. Je sais déjà où il se trouve. Ah, on dirait que quelqu'un va être frappé par une fonde. Ouvrez vos yeux, ça va être humide. Assurez-vous juste de bien viser. Trois, deux, un, feu! En plein dans le mille! Alors, Quentin, t'as aimé ça? Et ce n'est pas tout. Tu vas avoir droit à un vrai shoot. Prends ça, voleur de gâteau. Stop! Je t'en supplie, arrête! Ça fait mal! Non, je dois te battre. Eh oui, Marie est bien. Yes! Marie est super. Il en reste deux. Quelle chose mènera à cette fois-ci? Une baguette magique? Mince! Wow. C'est ce qui va m'aider à trouver celui qui se cache dans la piscine. Oh! Non, s'il te plaît! Ne fais pas ça! Eh bien! Wingardium! Et puis j'ai oublié. Ah ah! Lily, je pensais que tu serais là. Tu n'as pas choisi la meilleure cachette. J'espérais que tu ne me trouverais pas. Ah oui, t'es vraiment naïf, toi. Moins une. Où Emma se cache-t-elle? Tout ce qui me reste à trouver, c'est elle. Mais je suis complètement perdue. J'espère que l'extincteur m'aidera. Allez, Emma, montre-toi. Je dois te trouver. Je dois te trouver. T'es où? Montre-toi! J'ai mis la pièce en dessus-dessous!
Mais il n'y a personne ici. Je suppose qu'Emma a dû s'enfuir quelque part. Mais ce n'est pas grave. Tu ne peux pas tout cacher de Marie. Oh, comment se fait-il qu'elle ne m'ait pas vue? C'est moi qui lui ai donné les chips. Et le ballon. Et c'est pourquoi j'ai crié quand les ballons ont volé sur Quentin. Et je lui ai aussi donné une baguette magique, un extincteur et même un marteau. Et malgré tout cela, j'ai gagné. Et un marteau. C'était moi aussi. Et j'ai gagné, moi, malgré tout ça. Pour ne pas rater les challenges aussi amusants comme celui-ci, abonne-toi à Multidoo. Cela ne peut être que devenir plus cool et plus intéressant. Alors, reste avec nous.